Des livres et vous. Ce sont l'onglet et la hampe qui font partie des produits Tripier, pas la bavette. Voilà, je vous dis tout, c'est le dernier message que m'a envoyé Catherine Dubreuil. Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. On va reparler de cette hampe. La lumière va venir de notre invité de la semaine, Alain Demouchy, cuisinier. Bonjour Alain. Bonjour Catherine, bonjour à vous cher monsieur, et ravi d'être parmi vous. Un vrai cuisinier. Allez, on parle de son livre. Bon, on va recontextualiser tout de suite ce message qui m'est parvenu ce matin. Donc, l'onglet et la hampe sont des produits Tripier, pas la bavette, trois petits points. Vous allez nous faire découvrir, mais ce qui est important, Catherine, les produits Tripier, j'allais dire le cinquième élément, ceci grâce à une rencontre, le cinquième quartier. À vous. Alors, novembre est le mois des produits Tripier, donc ça tombe très bien. J'ai connu Alain grâce à un livre précédent que nous avons fait l'an dernier sur le marché de Niort avec Claude Guignard, qui est par ailleurs président des tables gourmandes de Poitou-Charentes. Un peu comme sur Royan, hein, le marché. Voilà, c'est ça. Voilà, on prend les produits du marché, on les fait cuisiner par des cuisiniers formidables, dont... Alain. Alain Demouchy a son stand à Niort, le stand de La Créole, où il fait des spécialités des îles et plus ou moins loin. C'est donc bien c'est ça. C'est la poésie d'Alain. Alain est voisin au marché de Niort de Pascal Gonnor, Tripier de son état. Et Dari est le photographe du marché de Niort. Donc avec ces trois personnes tout aussi sympathiques les unes que les autres. Sans affaire de ces repas. Nous avons décidé de parler de ce fameux cinquième quartier. Et Alain, ben, peux-tu nous expliquer pourquoi le cinquième quartier, pour commencer ? Bon, ben, c'est assez simple à résumer. Un animal est divisé en quatre quartiers. Et ben, celui du milieu, c'est le cinquième. Ah bon ? C'est aussi bête que ça. Ouais. Bah oui, un caravan avec... Vous avez bien fait de venir. Les deux cars arrière. Et puis ben, les professionnels des métiers de la boucherie, de la triperie ont désigné... Les parties qui allaient du museau à la queue, en le cinquième quartier, qui est celui du milieu. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué, non ? Parce que quand vous dites que l'onglet et la hampe sont des produits Tripier et pas la bavette, c'est pas une question de situation, faut, ça. Il faut bien, en même temps, quand on fait des quartiers, s'arrêter à un moment donné. Ouais, donc voilà, la bavette, dire, elle est passée ça s'en fait dans partie, un... ça... Exactement. C'est tout simplement parce que ces deux muscles rouges font partie intégrante de la carcasse à l'intérieur. Ah bon, c'est ça, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Ce sont des muscles, bon, mais rien ils sont ici, hein, situés à l'intérieur de l'animal et non hors carcasse. Alors, dans ces produits Tripier, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories, Alain. Oui. Les abats blancs et les abats rouges, dont tu vas nous donner la définition, pas plus tard que maintenant. D'une manière générale, les abats blancs sont plutôt ceux qui sont museaux, panse, bonnet, tripes, etc. Il faut faire attention, il y a des petites nuances, parce que les abats rouges, on va tout de suite penser évidemment à l'onglet et à la bavette. Ouais. La bavette, voilà. La hampe qu'on vient de citer. Vous avez bien fait de faire un livre. Mais aussi le cœur, le foie, qui sont par définition des abats de couleur rouge. Mais attention, les rognons blancs, les riz font partie des abats rouges. Donc ne pas se fier uniquement à la couleur. Vous en faites manger à tout le monde, parce que alors moi la cervelle... J'en ai fait manger à des enfants. Ah bon, mais comment vous faites pour faire manger la cervelle à des enfants ? Eh ben, je la sors de son apparence, je lui donne une autre allure, une autre texture. Oui. Samedi dernier, j'ai fait manger des nuggets de museau de bœuf. Ouais. Alors évidemment, le museau de bœuf, ça peut paraître un petit peu... oh là là, je vais pas quand même manger ces narines qui sont en train de brouter l'herbe à longueur d'année. Eh ben non, finalement, coupé en petits cubes, passé dans une panure et dans une friture bien chaude, ils deviennent craquants, croustillants et à cœur fondant. C'est vrai que quand on lit votre livre, on se dit qu'est-ce qu'on se prive ? Qu'est-ce qu'on se prive ? Mais quel dommage de passer à côté de tout ça, quoi. Des aliments qui sont, il faut quand même le rappeler, très pauvres en graisse, très riches en protéines, en vitamines, en oligo-éléments, qui ne sont pas chers, qui sont hyper bons pour la santé et qui sont de nouveau sur les étals. Parce que le but de alors, ce livre... 96, la crise 96, de la vache folle, bim, vous mettez un genou à terre. C'est ça. Est-ce qu'on a les conditions ? Est-ce que c'est safe, quoi, tout ça ? Alors bien sûr que on peut, c'est des décrets qui sont votés et puis proposés au niveau de l'Europe, etc., pour des analyses qu'on ne maîtrise pas forcément. Pourquoi pendant 15 ans, on ne peut pas en manger, puis au bout de 15 ans, on repeut. C'est la question que je me pose et
Bon, il faut aujourd'hui, surtout bien choisir son trépied, moi, je dis. Je pense, et voilà. Oui, de toute façon, voilà, que faut choisir le trépied, la qualité de ses produits, la brillance de son étal, et puis si ça nous met en mais appétit, comme le boucher, c'est comme là qu'il le maraîcher, pareil. Oui, voilà, oui. C'est l'humain, alors, encore une fois, alors, l'humain au cœur de, oui. au cœur de la problématique. En fait. Voilà. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais toujours, est-ce que c'est compliqué? Parce qu'un steak, allez, bim, hein, hop, 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre, c'est bah, fait, trois frites hein, et l'autre. Est-ce que, parce que bon, alors... Rentrons dans les détails. 3 modes de cuisson. Vous utilisez 3 modes de cuisson. Hein, vous en parlez magnifiquement bien sûr, dans, oui, dans tout ce fait, livre. Oui. Cuisson. Non, je m'informe, cher. Je suis allé. Parce que dans les comment abats, vous faites cuire les abats? Comment alors, vous faites il y a cuire des les tripes qui vont mériter des cuissons très courtes, comme le foie, le rognon, le cœur, et d'autres qui vont demander des cuissons très longues, comme les pieds, le museau ou les tripes. Oui. Il y a donc les tripes sont cuisinées dans des bouillons, donc on est sur des cuisines à expansion. Les parfums se mélangent, le goût des arômes rentre dans les tripes, le goût des tripes rentre dans le bouillon. Alors que sur une tranche de veau, juste poêlée, tourne et retourne, parce que le foie de veau, c'est bien meilleur quand c'est très, très rosé, voire moi, je le mange bleu. Et puis après, un déglaçage... Le foie de veau, vous le mangez bleu, ah, oui. Oui, monsieur. Vous avez conscience que ça peut interroger certains quand même, parce que c'est un peu particulier de manger un morceau de foie, non? Eh bien, cher monsieur, si vous avez regardé l'intérieur de ce bouquin... Il est aussi proposé du foie d'agneau cru. Ouais. Voilà. En smoothie. Non, Catherine, c'est une tahitienne de foie d'agneau, où le foie d'agneau est uniquement cuit pendant 24 heures par le jus de citron et le sel. Mm-hmm. Il est ensuite débarrassé de ses jus et il est remis dans une nouvelle marinade de jus de citron, lait de coco et tout un tas de petits aromates. Et je vous promets que le citron l'a un petit peu serré. Sous la dent, il paraît croquant, puis d'un seul coup... Ils font, c'est extraordinaire. J'en ai fait goûter à Pascal Golor, notre tripier. Il n'avait même pas reconnu le foie d'agneau. Alors, on a tout le temps mangé. Hein. Quand on lit le livre, on se rend compte qu'on en a mangé depuis que... Et dans le monde entier. Et dans le monde Alain entier, a fait un exactement. Trip autour du monde. Bravo. Et alors, au milieu du livre, moi, j'ai vu la choucroute. Vous préparez... Alors, parce que monsieur écrit bien, quand même. C'est ça qui est un peu embêtant, quand même. Il hein. a on peut se dire que génial. Pour un cuisinier, mais de quoi je me mêle. Il écrit, c'est du Rabelais. Superbement bien. Ah. Merci. On est bien d'accord. Ni que non, ni San Antonio, ai-je dit dans le texte, parce que c'est vraiment là, la prose est très gourmande. La choucroute. Pense que burne, langue et autres bouts de cochon en choucroute. Avec les pendantes, j'ai fait un trompe-l'œil de saucisson à l'ail fumé. Vous pouvez un peu développer? Bien sûr. Donc j'ai pris un rognon blanc que j'ai. C'est quoi un rognon blanc? Eh ben c'est une couille. Ah, ben voilà, une couille, après, oui. Les animaux, dit-on dans les animaux. Dans la recette, les animaux. Les animaux, tout à fait. Mais bon, ma foi, une pendante, c'est pas plus mal. La pendante, c'est pas mal. Hein, voilà. Donc, je le. En plus, on a deux pour le prix d'or. Écoutez, ouais. Voilà. Je la passe un peu au sel pour que les chairs se serrent. Je la serre dans un papier d'aluminium pour que. Rouler comme un bonbon de façon à ce qu'elle prenne la forme un petit peu d'un saucisson. C'est ça. Je fais d'abord un premier pochage de façon que la cuisson lui donne cette forme qu'elle ne quittera plus après. Et je la passe dans un fumoir pour qu'elle prenne et les parfums et la couleur. Et voilà. C'est une cuisine créative, c'est une cuisine audacieuse, c'est une cuisine généreuse parce que si vous avez lu Thierry, il y a toujours à peu près 15 personnes. C'est plutôt pour 15 personnes que pour 2 personnes, oui. En fait. Hein. Il y a, oui. Voilà, il y a cette notion de partage, d'exotisme aussi, hein, parce qu'il y a du tagine, oui. Il y a des samoussas, il y a des briques, il y a des acras, voilà. J'aime bien les sauces. Il y a 3 types de sauces aussi. Hein. Oui, déglacez-moi. Allez, déglacez-moi un foie de veau là. Comme oh, ben voilà, alors comment vous faites? Allez-y, allez, Alexa, un peu de poésie là. Bon, vous prenez une jolie tranche de très beau foie de veau, vous la passez dans un beurre et huile bien mousseux, tournez, retourne dans la poêle, vous débarrassez la tranche de viande sur un papier absorbant, vous enlevez les graisses brûlées, un petit morceau de beurre, une échalote ciselée. Une fois que c'est fondu, un trait de vinaigre, une cuillère de fond de veau, un morceau de beurre, tourne et retourne, vous remettez la tranche de foie, c'est prêt. What else? Le cinquième pourquoi quartier. Pourquoi ne pas cuisiner les tripes? Voilà. Pourquoi ne pas les cuisiner? C'est ça la question. Le cinquième quartier, la nouvelle cuisine des produits tripiers, avec une préface de Sylvie Gendron. C'est pas n'importe oui, qui. Rédactrice en chef de Saveur, nous sommes très fiers d'avoir eu cette caution. Merci. Tout ça aux éditions Sud-Ouest. Tout de suite, la suite. Un dernier livre à nous recommander, bien sûr. Catherine, on part en Occitanie. Nous partons en pas Occitanie aussi, hein. Avec Fabrice Mignot. Oui. Fabrice Mignot... Qui est Fabrice Mignot? Fabrice Mignot est un être formidable. Oui. Je l'ai découvert au Salon de l'agriculture de Bordeaux où il faisait des démonstrations.
pour l'Agence de l'alimentation. Je l'ai trouvé extrêmement drôle. Tout comme Alain, d'ailleurs, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens drôles. Bah oui, bon il bien, faisait des dégustations en faisant rire le public sans se moquer du public, ce qui est quand même très bien. Et du coup, j'ai dit, mais moi, je veux travailler avec vous sur l'Occitanie, puisque voilà, c'est un petit peu notre voisin. Il y a quand même beaucoup de trésors gastronomiques. Il est de Toulouse. Ah ouais. C'est lui qui... Il a une agence de communication culinaire qui s'appelle Spatule Prod. Il a fait un site qui s'appelle Cuisine ta mère. Pour la cuisine étudiante, ouais. Et qui a donné lieu à un livre qui s'est bien vendu. Et donc, j'ai la chance de travailler avec lui sur un livre qui s'appelle Itinéraire, oui. Qui est la suite logique et l'aboutissement d'une web-série de 8 épisodes. On peut le voir sur YouTube. Hein, ouais. Exactement. Il y a des QR codes, d'ailleurs, dans le livre, mais vous pouvez le voir sur YouTube. Et donc, Fabrice est parti à la découverte dans la région Occitanie, dans tous les départements d'Occitanie, de jeunes producteurs et de jeunes chefs. Ça, c'est pour la web-série. Le livre retrace un petit peu ces épisodes, mais donne surtout des recettes, en fait, de Fabrice Mignot, qu'il a classées de façon assez rigolote aussi, entre les plats de son enfance, la street food, son apprentissage et sa cuisine actuelle, avec des photos un petit peu décalées, parce qu'il fait quand même beaucoup de communication décalée et très drôle. Très et drôle. Donc, voilà un tour gourmand d'Occitanie. Oui, les jeunes. Coquillettes au fromage. Voilà, il s'adresse, voilà, mais c'est les plats de son enfance, vous savez. Ça sent vachement bien, vous ces coquillettes savez, au fromage. Les plats régressifs. Non, on ne connaît pas les coquillettes. Hein. Non, c'est parce qu'il y a peut-être. Les plats régressifs, oui, c'est ça, je cherche. Oh, voilà. Qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que vous en connaissez des choses? Je connais des mots incroyables. Des plats régressifs. Vous en faites des plats régressifs? C'est pas possible. Non. Continuez. Je vous ai coupé. Le tiramisu au sapin, c'est un plat régressif. Oui, ça. Oui, bien avec de la liqueur de sapin. Et on sait, voilà, il met en avant des producteurs de mozzarella di bufala quand même en pleine Occitanie. Nous avons des ostréiculteurs à Le Cat. Nous avons des près de Toulouse des producteurs d'asperges. Nous avons des brasseurs de bière. Enfin voilà. Tout ça, ce sont des jeunes et donc voilà, tout continue toujours, ouais. Rien n'est mort et tout renaît en tout cas et c'est très agréable. Baba au gym toulousain, le point G, c'est pas le mal. Le point ça. G, pas mal, il est taquin, je vous avais dit qu'il était drôle. Elle est pendante, voilà le point G. Là, oui, il y a matière. On a affaire à deux alertes de la plume. La mozzarella de la bourdasse, c'est voilà. Ça qui va nous faire nous rencontrer. Ben, peut-être, bien peut-être sûr. Bien. Voilà, Itinéraire, l'Occitanie gourmande, vue par Fabrice Mignot. 4 saisons, 7 départements, 8 producteurs, 8 chefs, 36 recettes. C'est merveilleux. Merci à tous les deux. Je rappelle, l'excellent 5e quartier. Véritablement, c'est un très beau livre, Alain de Mouchy. Bravo, vous féliciterez Pascal Gonnard aussi. Hein. Et Dari pour les photos. Et Dari pour les photos. Tout ça aux éditions. Mes deux compères. Itinéraire, photo de Guillaume Corona. Merci à tous les deux. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.